À tous chers abonnés, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une première série sur le top des skills. Alors j'espère que cela vous plaira. Soyez un petit peu indulgents, il n'y a pas encore énormément de propositions de vidéos. J'espère que tout vous plaira. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve en 10e position avec votre humble serviteur Barum pour un petite mise en jambe, on va dire, sur la map Résistance. Alors donc, déjà, bon là je viens de faire un petit kill, bon qui est pas très important. Petit kill feed sur des mecs au sniper qui étaient donc tous en insertion tactique. Voilà, en voilà un, en voilà deux, en voilà trois, en voilà quatre, et en voilà un cinquième. Voilà, une petite mise en jambe bien sympathique avec Warthog qui passe au fond. On passe au numéro 9 avec notre ami Legendary Taker qui a fait un petit couteau across the map. Donc sur la map Underground, voilà, donc il la lance du point A environ, ça atterrit de l'autre côté. Très très dur à filmer le couteau, je vous demande d'être assez indulgent sur la prise de vue, c'est très très dur. Comme vous le verrez par la suite, il y en aura d'autres des lancers de couteau. Voilà, un très beau kill. En numéro 8, nous avons donc notre ami Trevis. Donc là, hop, on va le voir sur la map. Ça va venir, voilà, la map Arcaden avec un petit kill au Predator bien sympathique. Le point B est en train de se faire prendre, il lance. Et alors là, c'est carrément la team complète en face, hein. Il y en a 5 qui sont morts. C'était une team, donc pas toute l'équipe, mais la team qui jouait face. Voilà, on va les voir un petit peu mieux sur cette prise de vue. Voilà, ils se regroupent tous sur le point B et boum, carton plein. Ensuite, nous arrivons donc sur la 7e position avec Jimmy. Pour un très beau kill de Jimmy, c'est donc au couteau. Sur la map donc Interchange, voilà, lancer de couteau. On va l'avoir un petit peu mieux sur cette prise de vue. Très très bien filmé, la lancer de couteau. Donc il y a quasiment toute la largeur de la map qui est traversée. Voilà, très très beau kill de Jimmy, bravo à toi. En numéro 6, nous avons notre ami Mario des Sponsor For You. Mario là qui va nous faire une très très belle série sur la map C-Town. Donc là c'était en recherche et destruction, hein. Donc on voit un kill, je vous rappelle qu'il y a 6 personnes en recherche. Là il a été touché. Un deuxième. Un troisième. Il se fait tirer dessus, il a juste eu le temps de se cacher, de tirer, il l'a blessé, l'autre doit être en barreau d'honneur, hein, sans doute. Un quatrième et un cinquième avec une double. Voilà, 5 sur 6, c'est quand même pas mal, bravo à toi Mario. En numéro 5, nous avons de nouveau moi-même, avec un très beau kill au couteau que j'ai fait. Désolé, j'ai mis deux vidéos de moi, mais celui-là quand même, il vaut son poison de cacahuète. En infecté, je lance mon couteau là-dessous, et alors vous allez voir une triplette avec un seul couteau. Regardez bien, c'était très très dur à filmer aussi. Donc, désolé, hein, je l'ai fait au ralenti afin que vous puissiez bien vous rendre compte. Il est passé par la fenêtre, il tombe sur le C4. Donc, hop, premier kill ici. Et le deuxième C4, par la force de l'explosion, avait explosé aussi. Le deuxième kill, là au fond, là, voilà, juste derrière la rambarde. Et le troisième, sur le balcon. Voilà, triple kill au couteau. Ensuite, en quatrième position, nous retrouvons Nekos X50. Avec une très très belle killcam, vous allez voir. Donc là, il s'agit donc, hop, voilà. Là, il tue, c'est pas celui-là, c'est ce kill-là. Voilà, en plein saut, une pleine tête. Très très belle quatrième position sur la map Lockdown. Voilà, on le voit au ralenti sur la killcam finale. Hop, headshot en sautant. Très très beau kill, bravo à toi mec. Ensuite, en troisième position, nous retrouvons notre ami Tyrus, qui va nous faire, pareil, une killcam, mais pas du tout de la même façon. Un petit trickshot à la killcam au sniper. Très très bien joué. Voilà, en killcam, très très bien. On va le revoir une petite fois pour le fun. Hop, c'est parti. Trickshot killcam, voilà, bien joué. En deuxième position, nous retrouvons à nouveau notre ami Mario des Sponsor For You sur la map Dome, toujours en recherche et destruction, où il va nous faire un quad feed. Alors, regardez bien, donc là il se fait flasher, il se cache.
Et c'est parti, attention, ça va aller assez vite quand même. Voilà, un kill, deux kills, trois kills, quatre kills. Voilà, c'est fait, emballé, c'est pesé. Et enfin, numéro 1, alors là, Jimmy, un extrait sur un 13-0 qu'il avait fait. On va retrouver un petit extrait, on va avoir 11 kills qui ont été faits, je vais y arriver, pardon, très très vite, au modèle. Alors, vous allez voir, ça va, c'est franchement très très joli à voir. Allez, c'est parti, et de 1, et de 2. Donc là, il se fait flasher, une grenade, et de 3, et de 4, et de 5. Allez, hop, on se recache, qu'il y ait une belle grenade. On attend que ça pète. Et on y retourne 6, 7. Donc les cartes à côté 8. On continue, on avance 9. Là, il se fait flasher. Et il en a un autre. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas 11, il n'y en a que 10. Autant pour moi. Et très très beau kill. Voilà, j'espère que tout vous a plu. Je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde.